Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Et c'est un plaisir pour nous capables d'entrer la CAIO encore. Nous, c'est exercice matinal et nous entrer la CAIO et que à matin ou bien après-midi pour nous capables et rappeler nous et réfléchir ensemble sur ce moment, grand moment, et maintenant qui était passé sur la terre en notre faveur. Mm-hmm. Et Jésus-Christ, et maintenant qui t'a entré, et maintenant triomphalement, et maintenant à Jérusalem, à côté tout peuple, on t'a acclamé. Donc, nous saluons encore, maman, madame, tonton Ben, nous saluons. Comment ça va, Hélène? Très bien, merci, pasteur Ben, bienvenue, bienvenue. Cet après-midi, parce qu'il y a deux semaines que tu n'as pas pu être avec nous, tu n'as pas pu être des nôtres, mais ce soir, tu es avec nous, nous dis mon Dieu merci de ce qu'on a et nous dis bienvenue, bienvenue. Et surtout, après-midi, nous pensons que l'hypo est très excitante pour nous parler d'un moment qui est extraordinaire. Parce que le moment, ça aurait qu'à passer qu'on y a, s'il n'y a pas de fête, s'il n'y a pas de fête, amen, moi-même avec vous, pas de gagner. Amen. Et pour en souvenir, non, nous avons gagné le plaisir ou de eager to see the Lord again. Amen. À cause de la croix, à cause de la Pâque, à cause de l'entrée triomphale, amen, qui a pris pavé chemin, qui fait nous attendre Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Pasteur Ben, good to see you. Amen. Merci beaucoup. Nous souhaitons Happy Easter et Rose Pâques, puisque nous sommes en célébration, nous sommes en période de célébration. Amen. Nous avons dit Happy Easter to all the staff of AACS TV, in radio in Attleboro, and in Boston, et à travers le monde. Donc, après-midi, puisque nous sommes en moment de réflexion sur la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ensevelissement, amen, et sa résurrection, amen, et son prochain retour. Non seulement nous souhaitons heureuse Pâques, mais thème après-midi, amen, c'est autour de notre identification. Yes. Amen, identification en tant que chrétien. Et pour nous connaître, amen, qui ça qui contenu. Amen. Parfois, on doit gagner une identité dans le monde, puis il y a un bagage qui écrit là-dedans qu'on ne connaît pas. Et maintenant, on est capable de gagner certaines restrictions là-dedans sans qu'on ne connaisse pas. Ou tout le monde a dit, on a là, on va monter avion, on a un porte-poil parti, qu'on a là, présenté à Haïti, ou qu'on a là, on a dit, on a restriction. Bon, c'est-à-dire, nous tous, nous avons une identification, mais il faut nous capables de vérifier l'identification. Est-ce que toute information qui est importante, et même capable nous accès, côté que nous prenons, et même pour nous capables d'entrer là-dedans. Donc, je souhaite que, et même maman, ou bien tu as gagné une idée, et même de côté que nous voulons aller. C'est ça. Et même, alléluia, que la nécessité pour nous checker. Fine points qui n'ont quatre identités. Ce qui veut dire que pasteur et Jean-Robert Laurent, leur dit pour checker fine points qui ont quatre identités, ça veut dire que nous avons un cortège, nous allons suivre, nous avons un côté, nous allons aller, nous avons un rendez-vous. Aïe, aïe, aïe. Et si que rendez-vous, ça que nous avons, nous pas checker quatre là, vraiment, c'est là nous arrivons dans la porte là. Et puis, il y a checké 4 là, et puis, ouais, manquez ça, manquez ça, manquez ça, manquez ça, manquez ça, manquez ça. Oh my God! Yeah. Terrible! Ça, une déception, hein? Une grosse déception, et seulement une grosse déception, mais c'est. Ou raté vol là? Yes, ou raté cortège là? Et cortège là, a déplacé, attends! Yes! Aïe, 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 I love this! So, il est très important, maman, après-midi, avec un. Zami au cap suivre nous dans exercice matinal comme on connaît nous toujours à faire des exercices dans la prière, des exercices dans la méditation de la parole de Dieu et exercices dans le jeûne, dans la réconciliation, dans la sainteté et maintenant à tous les niveaux. Et maintenant, c'est-à-dire même Jean parole bon Dieu dit nous, revertez-vous de toutes les âmes, ou besoin toutes âmes, ou besoin toutes âmes. Amen, ou besoin toutes âmes.
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mmh. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous avons à lutter contre les autorités, les esprits méchants, les esprits méchants, les principalités. C'est verset ça que nous prenons la donne pour nous voir est-ce qui les display dans quatre identifications, boarding pass. Amen. Boarding pass. Amen. Tout le monde a un boarding pass, mais on a besoin pour vérifier. Les vols là, les avions pour le décoller, est-ce qu'ils ont réservé place soi? Ok, Pasteur, c'est très important parce que après-midi, il y a même qui branché sur exercice matinal WCS TV. Mm. Et même nous sommes aussi à la radio, le 1620 AM, Radio Énergie, 90.1 FM stéréo. Nous travaillons en équipe. C'est très, très, très important et nous comptons que vous avez fait partie de nous-mêmes après-midi. Ça. Moi, j'ai une question qui est extraordinaire. Et la Bible racontait que et l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et que Jésus dit, est-ce qu'on voulait faire me comprendre, pasteur? Parce qu'on a parlé de boarding pass là, on a parlé de carte d'identité pour nous rentrer, pour nous parce que ça c'est pas n'importe quelle carte d'identité, pasteur Ben. C'est facile de faire le falsifier. Mm-hmm. C'est faux ID. Mais là, côté ça, je regarde des foules. Les Jésus-Christ a rentré et l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Mm-hmm. Tout le monde a un ID. Tout le monde a un ID. Tout le monde a un boarding card. Vous comprenez? Parce que tout le monde a une invitation. Parce que boarding card l'a venu avec invitation. Alléluia. Mais combien qui était vraiment qui était original dans carte tout le monde dans carte quand des pour bagaille depuis ces foule et on va me dire et gars monde qui va même faire te grand pile photocopie mais pour ça que me voulez comprendre pasteur Jean-Robert Laurent là rendez-vous ça là cortège ça parce que Christ dit je retournerai amen l'heure est venue azam l'étape rentrée. C'était 6 jours après qu'il devait accomplir sa mission. Mais là, il a retourné. Et c'est boarding pass. Parce que Jean-Robert l'a parlé là. C'est carte d'identité ça qui va être important. Il a retourné pour déjà l'homme même. Parce qu'il faut que checker pour accompagner Agnoa. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tout le monde qui était dans la foule là était boarding pass? C'est une très belle question. Amen. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, amen, c'est l'individu personnellement qui peut connaître est-ce que l'identification qu'il y a maintenant, est-ce qu'il est vrai ou bien s'il faut. Amen. Donc, la Bible met le clair pour nous-mêmes, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Pas grand sale qui a entré dans le royaume bon Dieu. Donc, pour nous capables de vérifier l'identification, ça, on a le vérifié ensemble. Et maintenant, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, et maintenant, dans Colossiens, chapitre 2, verset 14 et 15. Yes. Et maintenant, Colossiens, en anglais, c'est Colossiens. En français, c'est Colossiens. Et en créole, il dit Colosse. Colosse, chapitre 2, verset 14 et 15, qui pourrait répondre à la question. Ça. Vous êtes capable de lire pour nous, maman? Yes, of course, of course. Colossiens, chapitre 2, verset 14 and 15. Amen. Hallelujah. Glory to God. I am encouraging everyone that will be watching this program to read it in the language, in your own language. You know, because when I read it in French, when I read it in English, when I read it in Creole, we see it more interesting. Amen. It says here, Colossians chapter 2, verse 14 to 15. It says, blotting out the handwriting. Ça veut dire qu'avec sans Jésus, amen, côté Satan t'a écrit nom, et puis il t'a mis et suspect.
il est là et puis le sang de Jésus prend les effacer. Vous entendez? Blotting out the handwriting of ordinances. Amen. That was against us. Ordinance qui était contre moi-même. Mensonge moi yo, vol moi yo, coup de j'aime yo, troisième yo, méchanceté yo. Et même si ça fait que parce que Jean-Bel Laurent vini, il rappelait où vous n'avez pas lutté contre la chair, le sang, mais contre les esprits méchants. Amen. Dans les lieux célestes. Et bien, il dit, amen. Et bien, il dit quoi? That was against us, which was contrary. Which was contrary to us. And look it out of the way. Amen. And took it out of the way. Not look. And took it out of the way. You know, when Jesus took the blood and erased, amen, these accusation against me, against you, amen, hallelujah, he took it out of it and nailed it, nailing it to his cross. Wow, not only did Christ take the blood, his blood, wiped out my guilt, my sin, l'elle finit de prendre et puis le mettre là la croix. Ça veut faire me comprendre, pasteur Jean-Bel Laurent. Glory to God. Everything that is in me that I cannot deal with it, that is bigger, that is giant, that is a sin, I need to nail it on the cross because Jesus Christ has won the victory and on the cross. Amen. Amen. And verse 15 says, and having spoiled principalities and powers. Amen. Aïe, aïe, aïe. Leave tête, il crase tête principalité avec pouvoir diable. He made a show of them openly. L'alphine, il dit, not only that he opened, he make a show, I mean, tout le monde, ouais. Openly. Triumphing over them and it. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. You know, yes, Pastor. Amen. Merci beaucoup, ministère Marlène. Et merci à vous-même qui fait nous plaisir. Amen. À l'occasion, ça, pour nous capables de faire une petite réflexion. Amen. De moment, ça. Et réflexion, ça, ce n'est pas une réflexion de tristesse. Non. Amen. Sans réflexion. Amen. De célébration. Et même travail que moi-même ensemble avons nous t'ai gagné pour nous t'ai fait malgré tout effort qui t'ai fait mais le pas de cas répondre. Et maintenant a besoin ça. Et même mais cependant Jésus-Christ saint et maintenant répondre. Donc en rentrée triomphale de Jésus-Christ et maintenant à Jérusalem et donc là il t'est arrivé et maintenant en vendredi. Et maintenant, il a été crucifié. Et maintenant, il a été toute semaine passée avec un disciple, apôtre. Dans vendredi, et maintenant, ça n'a pas de cas parfait. Il faut te battre, il faut te mettre couronne piquant sous tête pour moi-même ensemble avec vous. Jésus-Christ n'était pas un pécheur, mais yet il a porté notre péché. Et maintenant, notre péché, c'est-à-dire nos péchés, et maintenant à la croix. Donc, c'est un mystère lié. C'est un mystère lié. Et maintenant, c'est peut-être ça. Et maintenant, le peuple en t'a réjoui. Non, il t'a réjoui. Le fait que vous te comprenez, vous ne pas comprendre. Mais hier, vous avez réjoui. Pour qui ça nous dit que vous ne pas comprendre, c'est parce que dans vendredi matin, amen, même peuple ça, et même dans dimanche, qui t'a réjoui, qui t'a content, voici Hosanna, béni soit celui qui vient. Donc c'est même peuple là, dans vendredi ça, qui a dit crucifiez-le. Amen, crucifiez-le. C'est-à-dire, sans retirer, sans mettre, yo tout yo tap assisté pour yo tapé clouer Jésus à la croix. Et maintenant, lui-même pour compter. Donc, pendant que Jésus était à la croix, et maintenant, donc, il y a sept paroles. Yes. Donc, en ça, en pile théologien, yo a parlé, yo dit les sept dernières en déclaration de Jésus-Christ à la croix.
Amen. Jésus-Christ son monté ba en pile enseignement, en pile doctrine, amen concernant royaume. Donc mais lui-même qui pral mourir avant que lui mouri, lui prononcer parole ça yo. Alléluia. Amen, les sept paroles de Jésus-Christ. Donc yes. Non seulement que amen nous tous se réfléchi, n'a réfléchi. Amen, alléluia, sur toute déclaration ça yo, sur tout moment ça yo, dernier moment ça yo, même on dit ou son période de célébration de victoire. Amen. Pour moi même ensemble avec yo qui croit dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour l'humanité. Donc maman pas connaît est-ce qu'ou gagné tout temps l'isla avec vous, mais nous connaît que quand même ou gagne quelques points que vous capable relater dans déclaration que Jésus-Christ t'a fait à la croix. Qui laisse dans déclaration ça yo qu'on songe maman et même gagne 7 qui t'a fait. Amen. Jesus says on the cross. Truly, when he went to the cross, he carried the cross. He carried the cross. And he didn't, as Pastor Robert says, he didn't carry it because he was a sinner. Because Golgotha was a place that where they execute, they put bandit, bandit, sur la croix, le panneau. But Jesus was among them to bring salvation to them. Amen? And he was treated more severely, more rudely than any of the real criminals for you and I. Because those that were there, they were paying for one crime of a lifetime, you know? But Christ was paying for the humanity crimes, amen? So his punishment was, Jesus says on the cross, I am thirsty. Hallelujah. He said, we will talk about those and elaborate them. He says, forgive them because they don't know what they're doing. He said, Father, why have you abandoned me? Forsaken me. He said, forgive. Oh, yeah, I already said that. And he said, man, hallelujah, while he was there, all has been accomplished. Amen. He said, God, please forgive them. Amen. Yeah. Donc, merci, félicitations. Donc, c'est ça, n'a pas dit. En second identité ou quatre identité at least les police là qui ont quatre identité hein il y a des questions que la poser yes pour le connaître que c'est quatre identité ça qui dans mon nom c'est pas une photocopie li. Donc c'est Christ mourir pour même il y a des déclarations qu'elle fait et maintenant il y a des fine points qu'elle mettait dans identité yes et maintenant parce que c'est pas toute parole que bon Dieu révélé avec tout le monde. Non. C'est ça là. Yes. C'est pas toute parole bon Dieu révélé à tout le monde. Il y a des paroles li révélé de manière particulière. Amen, de manière particulière, si nous capable mettre comme ça, avec un monde spécial. Seigneur il doit dire mon bagay particulier et lui dit maman yon l'autre bagay particulier mais toujours dans l'unité. Same spirit, yes. Donc première parole que moi-même ensemble avoir nous besoin connait que bon Dieu t'a déclaré à la croix pour moi-même ensemble avoir c'est pardonne-leur père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'après Luc 23, verset 34.
obligé qu'on ait bagaille ça. Dans bon Dieu, dans l'évangile, dans le travail bon Dieu, faut nous connaître un principe qui est le principe du pardon. Pardonnez-nous nos offenses comme nous nous pardonnons. C'est-à-dire, le pardon est un élément essentiel. Pas dit, tout en 10 000 livres ne sont pas tombés sous l'estomac, je ne vais pas pardonner un tel ou bien une telle. C'est-à-dire, le pardon, c'est un élément indispensable dans quatre identités humaines chrétiennes. C'est ça. Amen. Donc, pas dit moins. Dans la situation qu'on y a, ou pas capable pardonner. On ne peut pas travailler, on ne peut gagner l'argent, on ne peut en santé. Amen. Dans la situation qui est là, regardez les gens qui ne peuvent pas payer, madame quitte, mari quitte, petit monde quitte. Jésus, tu es pour contre lui. Même papa, tu es viré d'Obali, mais il y a l'étape intercédé. Yes. Amen. Donc, on ne peut pas prendre excuse pour nous dire, ah, on est gros nègre yoye, et gros blanc yoye, a fait yop marché, moi même dans ce côté. Ou gagne un cadre d'identité qui écrit, apprenne à pardonner, nomade wat, nan mitan souffrance ou, nan mitan misère ou, alléluia, gon bagay que bon Dieu investit dans ou même. Amen. Son sang, amen. Amen. Pas gen moun, bon Dieu dit ou pas gen péché dans Psalm 103, il dit celui qui guérit toutes nos maladies et qui pardonne tous nos péchés. Amen. Donc, ou besoin pour reconnaître que le pardon, c'est un point très important pour nous les chrétiens. Pas jamais trop fatigué pour pardonner. Pas jamais trop fatigué, amen, amen, pour aimer, pour faire la paix. Donc, c'est la première déclaration, ça, que sauver nous, rédempteur nous, on te fait à la croix. Papa, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, ils ont tapé entré triomphalement. Amen. Qu'ils ont été contents, mais ils n'étaient pas contents qui ça a fait. Amen. You pas connait. They were going with the flow. Amen. They were going with the flow and they were there. And this is why and we I'm sorry, we are here tonight to remind you. You may be in the church, but you're just going with the flow. You know? There's a program. There's a prayer meeting I'm going to go, but there's no connection. The card, the identity card has not been signed. And it got to be signed by the blood of Jesus. Amen, amen, amen. With the nail. With the nail. Amen. And you know, hallelujah, if it is not signed, if you don't even have it, because your pass, your identification card, it has to be matched with the blood of Christ. When you come, amen, amen. He needs to have the blood of Jesus. Yes, li très important. Tout moun genye yon ATM card. Oh, yeah. Tout moun genye ATM card. Mais pas tout ATM card kap entran de machine. La machine a pran ni. Oui. Mais code la. Transaction. Code la. Amen. Amen. Kat la genye kob la den. Kat la genye provision la den. Mais code la. Amen. Code la. The code il faut gagner code là bien aimé mais si on pas gagner code là c'est-à-dire nous manquer un bagage donc en nous bon identification hein, c'est dans Colossiens et même code là et même code là c'est pour qui ça nous dire ça amen tant qu'on doit aller dans une banque et même au chita devant banquier on dit on vient faire tirage qu'on y a la banque là pose un paquet de questions comme pour vous encore oui c'est ça mais il doit sécuriser non même non sir you cannot withdraw any cash because there is something a leg is missing a leg is missing you know the you need to leg. Know that God has paid totally at the cross for him. He has he has blotting out He has blotted out the handwriting of the ordinance. C'est papa même oui qui t'a écrit loi libre à Moïse. Yes. Amen. C'est papa même Dieu le Père, il a écrit en la loi libre à Moïse.
loi ça et même qui t'est condamné moi même ensemble avec et même papa ça il fait provision amen même provision il voit petite lui amen il baille la loi mais la loi vient condamner nous. Yes. Amen. Et c'est peut-être ça dans Matthieu chapitre 3 verset 16. Amen. Faut garder le pour maman Matthieu chapitre 3 et pas Matthieu 3 non, Jean 3 verset 17. Amen. Il dit que Seigneur là, il pas de venir pour condamner nous et non plus il pas de venir pour juger nous, il venir pour capable qui ça libérer nous. Lire pour nous dans Jean 3 verset 17. Jean 3, et pas 16 là, non, 16 là, du 4. For God sent not his son into the world to condemn. Not. Yeah. For God sent not his son to condemn the world. He, but that the world through him might be saved. Amen. And the saved that God is talking is the saved through the cross. Amen. And you know, is the saved through the cross. So we cannot say enough how important it is today, whenever you're going to see this program. Even if it is after Easter. It's the moment that we are sharing this with you. It's just a moment. But what we are, the key of this program, the essential of what we're talking about here, is an everyday truth. You know, the second one said, verily, verily, I said unto you. So, yes, let nous retourner que nous apprenons tout en tout cette yo pour même. Première, c'est le pardon. Deuxième, non, c'est la promesse du paradis. Amen. C'est-à-dire, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. Amen. Dans le paradis. Amen. D'après Luc 23, verset 43. Et troisième déclaration, c'est un conseil à bas autant famille. Amen. Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Et quatrième, qui dit nous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième, que maman t'a fait relater, j'ai soif. Amen. C'est l'humanité. Amen. 100% amen, humanité de Christ. Amen. Sixième, qui c'est tout est accompli d'après Jean 19, verset 30. Amen. Par amen, côté. Il dit dans le troisième nom, mère, voici ton fils, c'est dans Jean 19, versets 26 et 27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. J'ai soif. Amen. C'est Jean 19, verset 30. Amen. Tout est accompli. Amen. D'après Jean 19, verset 30. Amen. Et dernier, qui c'est? Amen. Entre tes mains. Et maintenant, je remets mon esprit entre tes mains. C'est dans Luc 23, verset 46. Nous arrivons à la fin. Et maintenant, première partie, nous avons rendez-vous. Et maintenant, deuxième partie, une fois de plus, c'est non Jean-Robert Laurent, de conseil avec maman, qui t'a salué. Marlène Vincent Laurent. Merci beaucoup. Salut.